va parler de ce qui te préoccupe. On va également parler peut-être l'origine de tes angoisses. Ou des fois les moments où tu te dis je suis pas bien, je sais pas pourquoi. Ou alors même des problèmes que tu as et que tu sais pas d'où ça vient. D'accord. On va faire des petits jeux ensemble. Et durant ces petits jeux, on va déterminer où sont les problèmes et on va les détecter et on va les arrêter, d'accord? Ok. T'as ce petit carnet que j'ai là. Hop, viens par ici toi. Tac. T'as ce petit carnet que j'ai ici. Je vais écrire. Ça, j'ai le cahier, d'accord. Comme tu peux le voir en cahier simple, d'accord. Et avec ça, j'ai deux feutres. Bon, c'est pour les ardoises, mais ça fera le taf, d'accord. Voilà. Donc, au début. Ça qu'on va regarder. Beaucoup de gens disent tout va mal alors que non, tout c'est trop généraliste et nous on n'est pas comme ça, d'accord. On va cibler le problème, ok. On va pas le laisser nous envahir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser des questions, d'accord. Et dans ces questions, il y a quatre paliers, et le jour où ces paliers vont s'effondrer, on tombe en dépression. Ces paliers, faut les connaître. C'est pour ça qu'on va les voir ensemble aujourd'hui. Premier palier, le palier social. Le palier social. Qu'est-ce que c'est le palier social? Le premier palier, c'est le palier social. C'est le palier. Je dis beaucoup de fois le mot palier. C'est le palier, en gros, de ta vie sociale, de tes amis, de ta famille, de tes parents, d'accord, de ta meilleure amie. Voilà, c'est ce côté-là, d'accord. Donc, je vais faire une petite colonne. Palier social, alors. Tac, je fais une petite colonne. Dis-moi si dans le palier social, tout va bien. Je mets le S comme social. D'accord. Ok. Donc le social, c'est le côté ami, relation, famille. Ça va pas du tout, d'accord, donc déjà
cible le problème, d'accord? Le troisième pilier. Le troisième pilier, tu sais ce que c'est? C'est le travail, évidemment. Là, tu vas me dire, mais qu'est-ce qui vient faire le travail là-dedans? Et tu sais que le travail a son importance. C'est qu'on va le réparer, c'est pas lié, d'accord? Tu as peur du...
regard des autres. D'accord, ça c'est normal. Tout le monde a peur. Par exemple, si tu regardes quelqu'un dans la rue, ou même quelqu'un te regarde, tu vas tout de suite te dire, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se battre, il y a un problème. Tu vas être négatif. Et si le mec te regarde bizarrement, il s'avance vers toi, tu vas dire, qu'est-ce qu'il veut lui? Alors que si ça se trouve, le mec est totalement gentil et qu'il te veut aucun mal. Mais on appelle ça le biais négativité. C'est notre cerveau dans notre tête. C'est le cerveau dans notre tête qui, du coup, nous met tout négatif. On connaît pas, donc on a peur. Donc c'est le négatif. D'accord? Du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas tourner les choses différemment. Tu vas te dire les choses qui sont négatives. Sont-elles vraiment négatives? Le mec qui me regarde, est-ce que ça veut forcément dire qu'il se moque de moi? Il peut me regarder pour 250 raisons. Il peut me regarder parce qu'il peut te trouver beau, il peut te trouver belle. Il peut te regarder parce que peut-être qu'il te connaît de loin. Peut-être que t'es l'ami d'un copain à lui. Ça peut être, ou alors il te regarde sans aucune raison. Il peut y avoir beaucoup de raisons, d'accord? Mais pas forcément qu'il se moque de toi. Du coup, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à se dire. Et c'est bien de se le répéter, de se dire, attends, est-ce que c'est vraiment négatif? Ou alors, est-ce que c'est mon cerveau qui me joue des tours? D'accord? Ne fais pas attention, ne te laisse pas avoir par ton propre cerveau, d'accord? N'oublie pas le biais de négativité, d'accord? Un truc qui est banal, ben notre cerveau va dire, c'est pas bien. Alors qu'au final, tout va bien, d'accord? Donc essaie de faire ça. Souvent, on croit que des gens nous jugent, alors que pas du tout. Essaie de faire attention à ça. Déjà, on a un petit peu rangé, on a un petit peu nettoyé le côté, le premier palier, d'accord? Ok, donc déjà, ok, maintenant tu sais que dans la vie, quelque chose se passe mal, est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça vient des autres? Et si des gens t'insultent ou si des gens sont négatifs avec toi, ne traîne pas avec eux, ignore-les, d'accord? Et fais ta vie, car non seulement ça te rendra que plus fort ou plus forte, mais en plus de ça, il y a de fortes chances que dans quelques années, ils n'ont pas eu la réussite que toi tu as. Parce que toi tu seras quelqu'un qui va persévérer. Alors que eux, c'est juste des gens qui doivent insulter, critiquer les autres pour se sentir exister. Sauf que plus tard, ils verront que la vie c'est pas ça. Et ils vont tomber de très haut. D'accord? Donc ça c'est ton premier palier. C'est très bien. Le deuxième palier, c'est... sans elle ou sans lui.
certainement que tu finiras tes jours sans lui ou sans elle. D'accord? Et puis, la seule et vraie raison, c'est que si vous êtes plus ensemble aujourd'hui, tant mieux. Ça serait quoi si vous aurez des enfants, ou si vous aurez été marié, ou si vous aurez eu une maison? Là, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on va dire, si tu t'es séparé avec cette personne, bah écoute, au moins t'as tiré de bonne expérience. Puis bon, les jours qui vont arriver, ça va être un peu douloureux, mais je te promets que tu rencontreras quelqu'un d'autre, ça c'est sûr et certain. Et peut-être même quelqu'un qui va te mieux te correspondre, avec qui tu seras encore plus heureux. C'est sûr. Donc, le meilleur outil pour battre les ruptures amoureuses, c'est le temps. Il y avait un proverbe qui disait: j'ai mal, dit le cœur. Je vais repenser, dit le cerveau. Ça va guérir, dit le temps. D'accord? Donc, n'oublie pas. Le troisième, c'est quoi? Tom. T-O-M. Bref, on s'en fout. Le travail. Le travail, c'est quoi? C'est l'endroit où tu vas passer 70 peut-être pour cent du temps de ta vie. C'est beaucoup. Peut-être même que tu vas y passer 35 heures par jour. 35 heures par jour, c'est fort. Non, 35 heures par semaine, voire plus, peut-être moins. Donc c'est un endroit où il faut que tu sois heureux. Un endroit où que tu sois à l'aise. D'accord? Tu peux écouter les gens qui disent autour de toi: il faut que tu trouves un travail qui rapporte de l'argent. Il faut que tu trouves un travail, mais ne le quitte pas, c'est ton travail. Ton travail, c'est la vie. À vous, il ne faut pas que tu partes, c'est ton travail. Ça, c'est leur avis. Ok? On est en 2019, peut-être bientôt même 2020. À toi de penser comme toi tu veux penser. D'accord? Ne te laisse pas influencer par les autres. Si ton travail te plaît pas, alors il faut peut-être que tu repenses. D'accord? On va voir ça. Pendant quelques années, il va falloir serrer les dents. Pour d'autres, il va falloir trouver une façon d'apprendre.
déjà, ne te mets pas du stress, car la première cause du travail, c'est le stress. Que c'est un patron, que c'est un professeur, ce que tu veux. Tous les matins, il fait caca. Mais oui, c'est pas un surhomme. Donc, tu vas pas stresser pour ces personnes, d'accord? Si tu dois l'avoir, l'examen, tu l'as. Si tu dois avoir le poste, tu l'as. Si tu l'as pas, ben, tant pis. Et tu le passeras la prochaine fois. D'accord? Donc, essaie d'y penser, d'accord? Ok? Ne te mets pas de pression, ne te mets pas de stress pour quelque chose qui n'en vaut pas forcément la peine. D'accord? L'école, c'est important. T'apprends beaucoup de choses. Tu te fais même des meilleures, des très bonnes rencontres. Tu sais, l'école, on dit beaucoup de négatif, mais c'est très positif aussi, l'école. Car t'apprends, tu fais des rencontres, parfois amoureuses, parfois amicales. Et bien plus, je te laisserai découvrir par toi-même. Du coup, voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur le travail? Le travail, c'est aussi un pilier avec, sur lequel tu peux te reposer. Si, ben, par exemple, chagrin d'amour, ta femme t'a quitté, eh ben, tu peux te mettre, au lieu de penser à ça, pour aller de l'avant, tu te concentres à fond dans ton travail. Comme ça, tu penses qu'à ton travail et tout le reste. Comme ça, au moins, le temps que ça cicatrise, que ton petit cœur cicatrise, le travail, lui, fait office de Doliprane. Il fait aussi office de. J'oublie le nom. Il cache la douleur, en attendant que ton petit cœur se répare. Donc c'est intéressant de compter sur le travail. Le travail n'est pas que négatif, d'accord? Tu peux aimer ce que tu veux, si tu peux aimer ton travail. Et évidemment, le loisir, le dernier. Alors le loisir, il y a un gros problème. Oui, exactement, t'as raison. C'est que parfois, beaucoup de gens aiment trop le loisir. Mais ce qu'il faut, et ce que les gens oublient, c'est que les quatre paliers doivent être exactement à la même égalité. 25%, 25%, 25%, 25%. Ils doivent tous être égaux pour avoir une bonne stabilité. Exemple, tu mets quatre paliers, tu mets une planche. Si tu mets quatre paliers, d'accord, ouais, il n'y en a que deux, mais si tu en mets quatre et qu'ils sont parfaitement équilibrés, la planche elle tient. Mais si les paliers sont comme ça, la planche elle tombe. D'accord? Donc c'est important que les quatre paliers soient exactement bien équilibrés. D'accord? 1, 2, 3, 4. Et donc le loisir, il y en a qui, malheureusement, ils font trop de loisirs parce qu'ils aiment ça. Bon, au fond, c'est vrai que c'est agréable. Mais le problème, c'est que du coup, ça déséquilibre tout le reste. Il y en a qui vont se dire, putain, ma femme m'a quitté, je sais pas pourquoi. Peut-être que tu ne portais pas cette attention et tu portais plus d'attention à ton PC. Tu vois, ça peut y jouer. Le social, c'est pareil. Je vois plus ma famille, je vois plus mes potes parce que je suis sur le dernier jeu qui vient de sortir. Ou le travail, je suis moins concentré à mon travail parce que je pense à des jeux. D'accord? Donc le loisir peut être un handicap. Mais, attention, le loisir peut être aussi bénéfique. Car on a tendance à aussi l'oublier. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on en oublie le loisir. Et si t'es pas bien dans ton travail, pourquoi tu mixerais pas les deux là? Pourquoi pas? Pourquoi tu mettrais pas un peu de loisir dans ta vie? Des paillettes dans ta vie? Pourquoi t'y avoir un petit peu de loisir dans ton travail? Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais, ça c'est personnel, quand j'étais à l'école, j'étais pas bien. Et bien du coup, je mélangeais les jeux vidéo avec la vraie vie. Par exemple, je me faisais des points, je pensais beaucoup. Quand j'avais du temps libre, par exemple en berme, je m'amusais à je jouais à des jeux de stratégie, donc je m'imaginais une nouvelle stratégie, ou j'imaginais des nouveaux champions de LOL, je dessinais des champions de LOL. Enfin bref, dans ma tête, j'étais un petit peu comme si j'étais devant mon PC. Pourquoi? Parce que c'est une forme de soutien, le loisir. Et oui, il ne faut pas oublier. Le loisir, c'est ce qu'on aime. C'est une partie de nous qui peut nous soutenir. Donc, à le privilégier si nécessaire et à s'en passer si on n'en a pas besoin. L'un à l'autre, il faut que tout ça soit exactement équilibré. Le lien social, 25%. L'amour, 25%. Le travail, 25%. Et forcément, le loisir, 27%.
social, ben peut-être que il peut y avoir des gens qui parlent mal sur ton dos. Si t'es trop amoureux, voilà, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Si t'es trop dans l'annexe de l'amour, peut-être que tu peux tomber en dépression parce que ta femme, c'est toute ta vie. Le jour où elle part, t'as perdu ta vie. Non, c'est qu'une fille ou c'est qu'un homme. La vie, t'arrêtes pas de tourner. T'as encore des paliers sur lesquels te reposer. Serre-toi-en. D'accord. Le travail, c'est pareil. Il faut pas se mettre à fond dans le travail, sinon on tombe en burn-out. Et le loisir, je viens d'en parler. Donc tu vois, maintenant, quand tu vas me dire, quand je te demanderai sur Instagram, ça va, et si tu me dis non, rien ne va, il y a de très 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 faibles chances pour que ces quatre paliers n'aillent pas bien. Hein? En principe, ces paliers, des fois ça va, des fois ça va pas. Mais c'est impossible. C'est impossible que les quatre paliers sont totalement HS. Impossible. D'accord? Car il y a toujours du bien et du mal. Et du mal dans du bien. Parfois, certaines choses négatives peuvent nous apporter des choses positives. Et inversement, des choses positives peuvent nous apporter des choses négatives. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé te la faire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question. Est-ce qu'on peut être heureux dans la vie? Voilà les conseils que j'ai à te donner. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que tu t'es relaxé si ça t'intéresse pas. Et moi, je te dis à très bientôt. D'accord? Et je te souhaite une bonne relaxation. Et surtout, garde le sourire, d'accord? Car t'es beaucoup plus beau quand tu souris. T'es beaucoup plus belle quand tu souris. Et moi, personnellement, je préfère quand tu souris. Donc souris à tout dans la vie. Et tu verras que la vie va te sourire aussi. Je te souhaite une excellente. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est?